OPT, le monde à portée de main. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est parti pour ce mois de septembre et la Super League qui sera forcément rendez-vous sur nos antennes à suivre ensemble sur la chaîne Pacific Plus et la chaîne web FCF TV. John, des semaines, quatre week-ends qui s'annoncent importantes pour les clubs, pour les pensionnaires de l'élite qui alterneront entre la Coupe de Calédonie et le championnat élite Kagou. Il va falloir pour certains abattre aussi ces dernières cartes. On va le voir avec le programme télé du jour qui vous est proposé, à commencer par Kounié et Bako, coup d'envoi 15h, et puis à 17h30, Wetch AS Mondor. Voilà, une équipe par exemple de Bako qui va jouer aujourd'hui sa dernière chance en termes de maintien. Oui, peut-être mathématiquement, mais sinon quand on regarde dans le jeu, je pense que Bako, il faut qu'ils se disent que l'année prochaine, ça va être
en PH. Voilà, en tout cas, ça va être compliqué pour la JS d'aller chercher son maintien. Mais il y a encore une petite chance, un maigre espoir de se maintenir en Super League. Et puis donc le deuxième match, vous l'avez vu hein, sur le programme, Mouetch qui affrontera l'AS Mondor. Là aussi, on espère un match intéressant avec deux belles équipes qui ont progressivement trouvé leur repère dans ce championnat Elite 2022. On va revenir sur ce programme du week-end puisqu'il y aura aussi deux rencontres très intéressante demain, Tiga Sport, Roanono et puis le Classico, Magenta Yengen. Également du côté de l'IFU, Nejeu qui accueille Dumbea et puis un report, l'Horizon Passo qui n'affrontera pas l'AS Lossi, tout du moins ce samedi, puisque donc l'AS Lossi a plusieurs joueurs en partance pour Tahiti avec la sélection 19. John, de quoi permettre au club de l'ASL de demander un report, chose faite par la formation Orange. En tout cas, ça a été compliqué avec cette programmation des rencontres cette semaine. Et il y a eu beaucoup de changements. Hein. Ça a été compliqué à la fois au niveau de la fédération et puis ben, pour les clubs. Il a fallu s'adapter, que ce soit pour les coachs et les joueurs, avec ces changements d'horaire. Et ah oui, vous avez dû reformuler pas mal justement la grille des compétitions de cette semaine et ce week-end. Après, c'est des difficultés que vous avez dû affronter, mais là aujourd'hui on se retrouve à commenter deux belles rencontres quand même si les deux meilleurs sont demain, mais c'est dû au résultat, au match qui a été joué vendredi entre Dame Yengen et Roanono. Mais voilà, match tout va rentrer. Qui se jouait hier avec la qualification de Yengen Sport, 1-0, but de Bertrand Kay. On voit aussi le classement avec donc forcément ces duels à distance qui vont être importants, à commencer par demain forcément, Tiga qui affronte, on le disait, Roanono, et puis dans la foulée Yengen qui affrontera Magenta. Là encore, pas le droit à l'erreur hein, pour ces deux formations qui sont quand même bien embarquées pour aller chercher et se battre pour le titre de champion de Calédonie 2022. C'est clair que demain, ça sera un gros enjeu pour les équipes qui jouent le haut de tableau, mais aujourd'hui, il y a quand même aussi un gros enjeu pour celles qui jouent le bas de tableau, la zone rouge qui est tellement disputée, la 11e place avec Ice Wedge, le Mondor, enfin non pas le Mondor, mais l'Ice Cougnier. Donc ça va être très disputé ce week-end justement dans les deux sens. Voilà, en tout cas, les deux formations de l'AS Cougnier et de la JS Baco qui rentrent sur la pelouse du stade Nouma Dele avec un maigre public pour l'instant dans les gradins du grand stade de Nouméa. Alors on avait vu jeudi, John, une tribune remplie. Pleine, ouais. Jeudi soir pour la rencontre entre Lossi et Melek avec la qualification en demi-finale du club de l'AS Lossi. 1-0 devant un nombre public. Sur un match un peu inédit, voilà ce qui aussi attire un peu plus les foules au niveau de la Coupe de Calédonie, ces matchs quelque part un peu qu'on n'a pas l'habitude de voir. En tout cas, on vous sait toujours très nombreux et nombreuses à suivre nos rencontres en direct. Les compositions des deux formations avec l'AS Cougnier, vous le voyez dans le traditionnel 4-4-2. Avec donc cette défense à 4 aujourd'hui, Kouaté, Vakier, Doué Péré, Vakoumé. Dans les buts, Julien Doué Péré, vous l'avez vu. Les deux récupérateurs, Cotereux, Vakoumé. Et puis ce Quator, John, qu'on en a hâte de voir à l'œuvre. Le retour de Roberto Newere devant Jean-Paul Aoudja et Vendégou Marvin. Et puis à droite, Gianni Manmeux, ça peut faire mal. Oui, ça peut faire mal. Et puis c'est que là, s'il se retrouve à un tournant, à un moment clé du championnat pour l'AS Cougnier. Donc il va falloir pour eux sortir de cette zone rouge, même s'ils sont à deux matchs, un match en retard sur les autres. Et c'est bien que tous les joueurs soient là et que puissent justement redonner du peps à cette équipe de Cougnier. La JS Baco, qui donc a dû remodeler un peu sa composition des équipes avec une absence de dernière minute. Ludovic Wakanamune qui n'est pas là, et donc c'est Napoa Poe qui redescend dans l'axe de cette défense. Alexandre Dijoux qui passe en récupérateur, et devant Daniel Tagawa et David Pouya qui donc vont animer l'attaque. On passe finalement en 4-4-2 pour Gilles Garcia qui a dû bien s'adapter à la toute dernière minute avec l'absence du Ludovic Wakanamune. On y reviendra sur ce système de jeu qui sera finalement un 4-4-2 mis en place par le coach Garcia. Au centre, à l'arbitrage, Johnny Reboul, assisté de Claude Chevellier et d'Alan Chenot. Voilà en tout cas pour cette rencontre où, je le disais, John, la JS Baco va jouer sa dernière carte
un maigre espoir, certes, mais il y a quand même un tout petit espoir de maintien. Oui, il faut aller chercher cet espoir, mais comme je dis, il y a aussi cette phase de préparation qui peuvent commencer à démarrer pour l'année prochaine, la PH, et puis essayer de revenir au plus vite dans cette élite du football calédonien ici en Super League. Donc ils se préparent déjà là, à former leur équipe. En tout cas, les derniers résultats qu'ils ont eus, c'est des résultats sauf satisfaisants pour le coach Garcia, bah, j'espère. Et puis, bah, il va falloir, de petit à petit, développer ce qu'il a pu commencer dès le départ. Allez, coup d'envoi imminent avec au ballon David Pouya. Voilà, c'est parti. David Pouya, un des éléments importants de cette formation de la GS Baco cette saison. Et Newere. Premier à rentrer en action côté Cougnier et il obtient la touche. C'est vrai qu'il y a quand même quelques motifs de satisfaction côté JS avec, je parlais de lui, hein, David Pouya qui fait une saison intéressante. C'est vrai que défensivement, il y a eu aussi l'arrivée un peu tardive de Gilles Garcia qui a dû essayer de trouver les fondations défensives pour prendre beaucoup moins de buts. Et on voit que ça commence un peu à payer. John, au niveau du travail défensif mis en place par... Gilles Garcia, il a fallu aussi combler avec de nombreuses absences sur une année, une saison 2022 difficile hein, pour l'ensemble des équipes. Ouais. Beaucoup de mariages aussi de part et d'autre du territoire, beaucoup de joueurs pris aussi par le travail coutumier dans les mariages. Et donc il a fallu pour tous les entraîneurs de Super League et puis des échelons inférieurs, eh bien, il a fallu s'adapter. C'est ça, et puis lui pour Gilles Garcia, c'est de prendre un groupe en milieu de saison comme ça, c'est pas facile aussi. S'acclimater avec le groupe, essayer de comprendre le comportement de certains joueurs. Donc c'est ça, trouver une cohésion, après une adéquation entre les joueurs, c'est pas facile quand on arrive en plein milieu de championnat. Oui, et puis il découvre aussi ce football calédonien, son organisation. En tout cas, chapeau, parce qu'avec le peu de temps qu'il a eu, il a quand même fait un match nul et puis quelques résultats, notamment en coupe, même si ça n'a pas souri en huitième de finale. Ouais, défaite 4-1 face justement au CO Melec. Melec, oui. Une belle équipe. Attention à cette frappe sur coup franc de Newere, c'est pas fini avec Marvin Vandégout. Conserve ce ballon, c'est bien fait, il s'est retourné le centre, contré par le capitaine finalement du jour, qui sera Ashley Napoa Rapoé. On a pas mal de vent là. Ouais, beaucoup de vent aujourd'hui sur la capitale nouméenne. Parce qu'il y a un beau soleil. Ouais, un temps vraiment clément pour eux. Rencontre de football, cette tête défensive, bien fait. Tagawa qui se bat. Daniel Tagawa qui cherchait. Kaike Silva. Qu'on découvre aussi aujourd'hui. C'est le numéro 11 de la JS Baco. Ça repart tranquillement avec... Philippe Vakoumé. Gabriel Vakoumé. Voilà, on voit un bloc attentiste côté Baco qui joue sur un bloc médian pour l'instant. Mais qui va pas chercher le pressing haut. Laisse un peu son adversaire. Oui, son adversaire venir. Il attend dans leur partie. Dans leur moitié de terrain. Et ce bon ballon avec Manmieux, le petit festival de Manmieux. Et ça fait 1-0. Superbe enchaînement de Gianni Manmieux. Et quel ballon de Roberto Newere. Qui signe aussi son retour par une passe décisive. Contrôle aussi. Quel enchaînement de Gianni Manmieux. Et ça fait 1-0 au bout de 3 minutes, forcément, des débuts difficiles pour l'AJS, mais des débuts parfaits pour l'AS Cougnier et ce magnifique but de Gianni Manmieux. Regardez cet extérieur du pied gauche, le contrôle, le petit dribble, magnifique. Ah, ça fait 1-0.
Et ça fait 1-0. Et donc, les nordistes très vite menés dans cette rencontre. Et Poitili, c'est contré. Attention, il y a beaucoup d'espace entre les lignes du milieu de terrain et la ligne défensive. Avec heureusement une intervention de Marco pour Rapo et Sagué. Vous l'entendez peut-être dans nos micros, il y a du vent. Beaucoup de vent, ouais. On va voir un peu comment justement s'adapte maintenant l'équipe de Bako, puisque donc on le voyait hein, sur un bloc médian et attentiste entre guillemets, où tu le disais Johnny, ils ne vont pas chercher leurs adversaires, ils laissent jouer. C'est pareil, continue. Ils ne vont pas changer de philosophie pour l'instant. Mais quelque part ils courent déjà après le résultat, après le score. Néwere au duel, ça passe avec un compte favorable, ça revient vers Manieux, Vakoumé. Vakoumé, Gabriel à nouveau. On retrouve son capitaine Vakier. Vakier avec Daniel Douépéré qui allonge, heureusement, belle intervention de Landry Vujo. Ça repart que Wilson Poimeno, Vujo à nouveau. Ils sont bien en place, les joueurs de Cougnet. C'est difficile de trouver. Faut refaire, faut continuer. Voilà, quand tu passes, passes dangereuses, les passes latérales. Ouais, faut pas les rater, celle-là. C'est renversement de jeu. Heureusement que ça a été mal exploité. Et voilà donc ce nouveau joueur qui a rejoint l'effectif de Bako. Kaike Silva. Et en tout cas, Gianni Magneux, bah, il poursuit sur sa saison très aboutie. Ouais, c'est l'homme le plus régulier. Ah, il est dans la continuité de son exercice 2021, vraiment, Gianni. Ah, qui s'est imposé comme un des meilleurs, tout meilleur milieu de terrain offensif de la Super League. Bravo à lui, vraiment, pour ses prestations. Et puis il est décisif et efficace, puisqu'il en est déjà à 8 buts cette saison. 8 buts en 15 matchs, 14 matchs maintenant pour lui. 15, c'est ouais, le 15. 15 matchs, c'est le 15e match disputé par la Escougnier avec, je le disais, beaucoup de reports dus aux grèves du transport aérien, à la météo, donc. Fédération qui va devoir aussi jongler avec tout ça pour recaler les matchs, et c'est pas évident hein, quand on sait que l'AS Lossy part sur des reports de matchs du fait de ses U19 qui partent, je le disais, pour Tahiti. Ah, ils sont 5 joueurs, je crois, des 19 qui sont partis. Donc le temps de cette compétition AFC U19 ne devrait pas voir l'AS Lossy en Super League. Et tout ça, forcément, il va falloir recaler, trouver des dates et des dispos. Allez, c'est reparti pour Cougnet et Marvin Vandégou qui temporise. C'est mal donné. Heureusement pour eux, parce que le bloc de Bako était vachement étiré. Et bon ballon avec Silva. Bien fait. Prend un relais avec un soutien de Wilson. Poimeno renverse le jeu, Wilson Poimeno, intervention à l'opposé de Kouaté. Kouaté qui peut relancer et Aoudja qui trouve Marvin Vandégou. On a hâte aussi de voir hein, ce duo jouer ensemble. Ils ont Vandégou Aoudja, ils ont très peu joué cette année, l'un ouais. avec l'autre cette année parce que Aoudja a été blessé. Et on voit Marvin Vandégou qui a été très compétent et performant sur. Les 14 premiers matchs, donc ouais, il va falloir s'appuyer là-dessus, très certainement, côté Kenji Vandégou, pour aller chercher ce maintien. Bah là, ils sont bien partis. Là. Avec ce petit point d'avance, ils ont 8 points. Et
ce petit but d'avance, ils ont 8 points au classement et ils ont un match en retard, donc ils passent devant Dembéa et l'ASWH, mais l'ASWH n'a pas joué son match. Ouais, on rappelle, Mondor, sera le second match télévisé de la journée. Coup d'envoi 17h30, ici même au stade Nouma Dehlé, et en direct forcément. On est ensemble donc toute l'après-midi. C'est vrai, ça. Ouais, bien fait ce pressing. Ça va. Déclenché par David Pouya. Manu de la tête. Il cherchait profondeur à Aouja. Et le bon retour de Poitili qui est repassé par son gardien. Mais ils sont là à la récupération. Des joueurs de l'île des Pins. Et Vakoumé. Ah, c'est bien fait. Ouh, il a relâché ce ballon, Aouja la frappe d'Aouja, c'est hors cadre, heureusement. Était tout proche du break. La grosse erreur de Pois, Rapoé, Sagué. Et Aouja qui a failli profiter de cette erreur du gardien. Ouais. Il avait fait le plus dur, c'était ouvert le but en feintant le gardien. Il faudra pas que Bako encaisse très vite ce deuxième but. Hein. Il faut garder. Allez, soit 48 buts encaissés. C'est la plus mauvaise défense du championnat. Allez, Vakoumé, Gabriel Vakoumé, le centre. Il est tout seul au second poteau maintenant. Newere. Le relais avec la montée de Kouaté. Ça ne donne rien et ça repart maintenant pour la JS. Léac Wilson Poimeno, ancien joueur de l'AS Magenta. Vaquier. Ah voilà les deux centraux, hein, Vaquier et Louis-Daniel Doué-Perret. Tranquille hein, dans leur relance, ils n'ont pas de pression adverse. Ouais, parce que les joueurs de Bako les attendent. Ah, faut qu'il joue vite. Et Silva. Un peu d'espace. Daniel Tagawa. C'était un peu compliqué. Manmieux. Petit râteau. Et on joue intérieur. Avec Vaquier maintenant. Conserve ce ballon. Et il oriente avec Newere. Il n'y a pas de hors-jeu. Roberto Newere sur son pied gauche. Et bon retour, heureusement, de la défense de Bako. Et ça repart avec David Pouya. Et la touche. Ok, c'est bon. Super. Là, vous êtes pas mal pareil. Et on approche tout doucement déjà de la fin du premier quart d'heure. En tout cas, on est gâté par le temps, John. Il y a une dépression qui arrive, visiblement. On a failli encore avoir des rencontres jouées sous la pluie. On a eu beaucoup cette saison. Et puis, j'espère que ça n'aura pas d'impact pour les matchs du week-end prochain, pour la Coupe. Ceux qui monteront au nord. Ouais, les aléas, forcément, entre les soucis d'avion. De grève d'avion. La météo capricieuse avec la Nina. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec un. En tout cas, cette semaine, des complications hein, vraiment dans la programmation des rencontres. Attention. Et oui, de vitesse, il va passer. Manmieux avec Marvin Van Degou. Par la surface de réparation, il se met sur son pied droit. Et l'arrêt de Poirapoué Sagué. Donc on va rappeler hein, que donc Juanono et Yengen se sont affrontés hier en coupe. Victoire, donc succès des nordistes qui passent en quart de finale sous les yeux de Kenji Van Degou à l'image
Et donc Yengen qui va rejouer demain à 15h30 face à l'AS Magenta. Ça va être un gros match pour eux. Et puis finalement à 18h, c'était prévu à 13h. Puis finalement 18h, Tiga Sport face à Roanono. Donc ça fera vraiment deux rencontres en 48 heures. Même pas pour les équipes de Roanono et Yengen. Ouais. Forcément difficile pour les organismes à encaisser. Et donc toujours 1-0 avec, vous le voyez, cette ouverture du score très rapide de Manu à la 3ème minute. Et on a passé quart d'heure. On voyait à l'image Alan Cheneau, l'arbitre assistant. Alors, il a déjà arbitré jeudi soir, Alan. Oui. Comme Claude, on avait au centre Monsieur Lacour, Médéric. On félicite aussi les arbitres, hein, qui enchaînent aussi les rencontres. Allez, Néwere. Gauche. Attention. Ballon qui traîne. Ouh là là, cafouillage. Et finalement, ça revient dans les gants. Ouais, capteur de temps. Du portier de l'équipe du Nord. Et ça repart avec Léac. Ils sont coupés en deux, là. Vraiment, l'équipe de Baco. Là, on envoie un peu au charbon. Pouya. On voit hein, John. Ouais, c'est après, très c'est distendu, sur le retour. Ce bloc. C'est très, 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 très. Il faut accompagner. Distendu, c'est après, là, quand ça. Avec ces deux joueurs là, Montmieux et puis Roberto Néwere, qui depuis le début du match, dès qu'ils peuvent jouer simple, jouer en une touche, ils le font. On le voit aussi sur le premier but, sur le but d'ailleurs de l'AS Cougnier. Attention, faut intervenir à la tête de Jean-Paul Aoudja. Pas d'enjeu. Ah, ça fait plusieurs fois hein, qu'ils se font. Ouais, ils se font piéger comme ça, surprendre. En jouant le hors-jeu, ils sont pas dans le bon timing. Mal alignés, et c'est deux, trois fois, c'était un peu chaud. Hein. On était encore tout proche du break. Ah, la récupération avec Poimeno. Poitilly maintenant, encore lui. Ça, il faut qu'il joue simple parce que quand il perd le ballon, après, oui, voilà. Attention, de suite on cherche Aoudja. Ça. Et heureusement, il essaie de jouer vite dès qu'il a le ballon. Il doit opérer avec Gabriel Vakoumé. Bien fait. Vaquier. Ouf, intervention musclée de David Pouya. Voir. Petit ballon piqué de Vaquier et l'intervention de David Pouya, qui est un attaquant très énergique. C'est un coup franc. Ouais, cette équipe de Baco qui n'arrive pas, sur son animation offensive, à trouver de la verticalité. À trouver des jeux courts parfois. Et puis il y a une défense qui est une équipe qui est bien en place de l'autre côté. Attention, on va très vite Vendégoût. Attention, penalty. Ah oui, on le sait, Marvin Vendégoût ne lâche jamais rien. Et ils ont tardé à intervenir. Et ça offre un pénalty avec Marvin Vendégoût qui reste à terre. Elle. On va revoir cette situation. Manque de communication. Ouf, ouais. Il avait visiblement touché le ballon avant le gardien. Je crois que c'est. Ouais. En tout cas, avec Ounier, une excellente opportunité. Avec Yannick Montmieux.
de doubler la mise. De passer un autre but. Et Gianni Magneux qui pourrait bien... être le deuxième meilleur buteur avec Amir Ruiné. Exactement. Inscrire son 9e but de la saison. Gianni Magneux face à Marco Poirapo et Sagué pour le 2-0. Allez, c'est parti, Gianni Magneux. Côté plein axe, et ça fait 2-0. 2-0 pour Cougnier. Dès la 19e minute de jeu, John, ça se complique pour Bako. Oui, ça se complique pour Bako, mais c'est aussi pour les équipes qui luttent pour justement ce maintien là. Et puis cette 11e place qui est dangereuse, donc la Suède, Timbéa, Lassi, Juanono, ça, va... ça peut les inquiéter, même l'Horizon Patho. Cette victoire de Cougnier qui était... donc lanterne rouge, premier barragiste. Donc ouais. Deux buts d'avance. Ça rassure l'équipe de Cougnier. Il va y avoir certainement une belle bataille entre 4-5 équipes. En sachant qu'ils ont un match en retard. Ils ont un match en retard. Juanono a deux matchs en retard. Donc ce qui est beaucoup plus inquiétant, ce serait pour les équipes de l'AS Lassie, Wetch et Dambéa. Ah, qui vont se mettre la pression hein, vraiment pour ce maintien. Wett qui joue juste après contre le Mandor. Mandor, pour eux, il va falloir sortir de cette zone aussi. Bah Mandor, 5e. Alors, en cas de victoire, vraiment, on pourrait dire que le Mandor a un pied et demi en Super League 2023. Ouais. Alors qu'il y a de ça un mois et demi, c'était aussi très limite. Il flirtait avec la zone rouge et cette place, 11e place de synonyme de barrage. Et puis Bako hein, qui compte seulement un nul et le reste de défaites. C'est vrai qu'ils sont lanterne de rouge depuis pratiquement le début de championnat. Depuis le début du championnat, ouais. Donc comme tu disais, John, va pas falloir lâcher, essayer de continuer à progresser pour préparer l'avenir. C'est ça, il faut qu'il prépare l'année prochaine déjà. On avait, on le disait, ce maigre espoir aujourd'hui, même si le match n'est pas fini. En tout cas, c'est mal engagé. C'est vrai qu'en cas de 14e défaite pour l'AJS, clairement là ça serait la fin de tout espoir de maintien. Et puis c'est pas évident, hein. J'en parlais avec Gilles Garcia sur cette semaine sur l'avant-match, il faut quand même réussir à garder les troupes mobilisées. Ouais. Parce que la coupe aussi hein, a fait mal avec cette défaite 4-1, on le disait, face à une belle équipe de Melec en 8e. Et bon, faut quand même chercher du positif ailleurs. Et puis, exactement. C'est bien tiré, ouais, c'est vrai, juste au-dessus de la barre. Donc pour eux, c'est de trouver une équipe qui peut, après l'année prochaine, essayer de remonter le plus vite possible cette Super League. Attention, attention. Ouh, il a failli surprendre. Poirat pouvait saguer. C'était un centre-tir. Et on voit toujours cette même problématique côté JS Bako hein, sur ces 20 premières minutes. Bah, c'est ces lignes un peu. Ces espaces entre les lignes qui est mal géré. Ouais. On voit encore une fois hein, le bloc qui se distend parce que les hauteurs de ligne ne sont pas respectées. Alors, Baton en une touche qui essaie de trouver son attaquant. On revoit si ce coup franc. Il faut justement hein, que ça soit beaucoup plus compact entre ces lignes pour ce bloc. Pour que ce bloc soit compact, il faut que la ligne arrière soit quand même bien en place et à hauteur. Là il y a trop d'écart entre les lignes, on le voit là déjà sur l'écran. Et ça fait deux lignes avec un milieu, on a l'impression que c'est du 5-1-5-1. 5-1-4. Voilà, on dit souvent qu'il faut 10 mètres hein, entre les lignes milieu de terrain défense. Voilà, on est plus sur du 20 bons mètres. Voilà, beaucoup de situations. Enfin, en tout cas, dans ce dispositif mis en place. C'est la première après, là on le voit. Par Gilles Garcia, il faut absolument. Ils sont bien en place là, défensivement, là, les JS Bako. Ils arrivent à coulisser, revenir sur un bloc médian, ils arrivent à se mettre bien en place. C'est à la récupération du ballon où ça manque de mobilité.
ça manque de mobilité. C'est trop statique et ils n'arrivent pas à trouver, le porteur du ballon n'arrive pas à trouver de solution parce que justement il a très très peu de solutions, voire pas du tout. Donc avoir être bien en place tactiquement ne veut pas dire forcément qu'il y aura une animation offensive avec du rythme, avec de la vitesse, s'il n'y a pas d'appel, si le jeu sans ballon il n'est pas présent. On le voit. Et un beau mouvement encore, hein, côté Cougnier. Et surtout il va falloir essayer de se régler défensivement, ouais. Hein, parce que on voit qu'il y a beaucoup d'espace et ça va très vite en face. Côté Cougnier, donc attention. Ah, c'est ça, on voit les joueurs statiques, dès qu'un joueur de Bako a le ballon, ça, autour il n'y a pas d'animation, ça bouge pas, c'est, le jeu sans ballon il est presque inexistant, alors on le voit là, ça, personne bouge autour. Personne bouge et pas de solution. Ouais, offrir des solutions. Ça fait créer des décalages, c'est difficile. Créer des espaces, c'est difficile aussi si ça manque de mobilité. Et après, on subit le jeu. Subit le jeu de l'adversaire, c'est ce qui se passe en ce moment là. Ouais, c'est à chaque fois qu'ils récupèrent le ballon, ils le perdent aussitôt Bako et c'est là qu'ils se mettent en difficulté. En tout cas, il y en a du mouvement côté Cougnier avec cette frappe. Cougnier, on le voit. Dès que ça arrive au milieu, ils essayent de jouer le plus simple possible. Donc ça va soit en deux touches avec Monmieux et Roberto Noéré, on les voit, hein, ils multiplient les passes en une touche et les transmissions simples. Et pour l'instant ça fonctionne. Ça leur a été bénéfique. Ça met vraiment en difficulté cette défense de Bako. Qui va devoir trouver donc ses repères pour contrer notamment les quatre offensives de Cougnier. Newere, Aoudja, Vendegou, Manmieux qui, on disait, ça pouvait faire mal, mais là pour l'instant vraiment, il se trouve. Hein. 3 et voilà, contre encore 2, il est tout seul, 3 contre 3, il y a un bloc qui est vachement étiré. Aoudja, le bon ballon, pourquoi pas le triplé de Manmieux, le petit crochet de Gianni Manmieux, c'est pas fini. C'est la panique dans la défense de la JS et heureusement, ça ne finit pas au fond des filets. Parce que là, 3-0 au bout de 26 minutes, ça aurait été compliqué. Et quel ballon d'Aoudja. Superbe. C'est dos du latéral gauche et la sortie kamikaze de Poirapo Essagué, mais décisive. Sauve les meubles pour l'instant. Gardien de la JS. Il faut qu'ils essayent de garder les écarts entre les lignes avec des distances plus justes possible. Pas trop d'écart entre ces lignes, justement. Ah, on le voit, hein, justement, encore sur cette action. C'est à réaction. Ils reviennent bien, c'est bien, ils réagissent bien. Ils réagissent bien, mais après, faut pas que ça soit par à-coup ou comme ça tout le match, parce qu'ils vont pas tenir jusqu'au bout. Et on voyait le buteur, donc. Gianni Manmieux. Bah, le problème, qu'ils ont un temps de retard hein, pour l'instant, en n'étant pas en place, et je le disais sur les hauteurs de ligne, mais pour l'instant aussi, Cougnier en profite parfaitement. Cougnier joue bien le coup. En simplifiant, en jouant juste et simple, avec très peu de touches, ça donne de la vitesse, du rythme, et ça surprend cette équipe de la JS Bako qui a du mal à justement à se placer. À resserrer les lignes, à se déplacer ensemble en bloc. Et corner, coup de pied de coin pour Newere et son pied gauche. C'est bien tiré encore, heureusement il était à la fermeture, le capitaine de la JS. Et on se dégage côté nordiste, mais c'est de suite récupéré par Cougnier. Ouais, il aurait pu la garder, personne l'attaquait, il y a les... Le bloc de Bako qui remontait, prendre le temps et il mène.
peut se précipiter. Souvent, voilà, ne pas confondre vitesse et précipitation. En se précipitant, on perd de la vitesse au jeu, alors que si des fois on prend son temps, on peut donner de la vitesse à son jeu. Allez, ça repart encore une fois avec Cottereux et Cougnier qui sont de nouveau en phase de construction. On essaie de chercher à l'opposé là-bas. Bien fait, belle couverture de Lorient Wenevois. Dijoux, bien fait ça, Alexandre Dijoux, magnifique. Bel enchaînement, Silva. Ah, c'est mal donné. Et le Koumé qui repart tranquillement. Vaquier. Ah, ils ont tout leur temps d'orienter, alors c'est pas un souci. Hein, dans... a mis en place Gilles Garcia. Oui, ils sont dans. Et après, c'est le temps d'intervention qui est. Timing d'intervention qui est important sur. Sur les ballons qui arrivent dans l'entrejeu. Au niveau de la JS Baco. Et c'est là, il faut être présent et cadrer l'adversaire, ce qu'il n'arrive pas forcément à faire. Alors que. Nouvelle fois, il y avait une situation dangereuse. Il faut que la ligne de. De devant soit plus proche de ses milieux pour les joueurs de Baco, puis qu'ils soient un bloc. Il y a trop de tendance à arriver à un moment, là les voiles, ils sont étirés, les milieux et puis les défenseurs. Les attaquants sont plus loin aussi, ils sont 5 derrière. On revoit encore cette ligne de 4 derrière. On y une passe, ils arrivent à éliminer 2, 3, voire 4 joueurs, c'est cette équipe de Cougnier, justement parce qu'ils sont équipe de Baco et assez joueurs avec un bloc étiré, mais surtout tout s'aligner, les lignes. Voilà, on y une touche. Encore une touche. Pas de mieux. Essayer de trouver un il se trouve bien. Alors forcément la qualité technique qu'il fait. Pour beaucoup, hein, quand on voit Néwéré, Manu qui sur les renversements de jeu, là encore, là on le voit, on ralentit. Et lui aussi veut la mettre en une touche pour. C'est simple, efficace. Et c'est beau à voir pour l'instant. Il va falloir forcément resserrer, tu le disais, les lignes et puis bloquer ses espaces hein, derrière côté Baco. Allez, Dijoux. Là, faut lui donner. C'était bien fait, dommage, avec Vaquet qui avait bien couvert. Il faut vraiment qu'ils se déplacent tous ensemble. Silva. Quoi, pas une frappe, il s'était mis sur son pied gauche. Dommage. Et toujours 2-0. On joue depuis plus d'une demi-heure. 33 minutes précisément. Et pour l'instant, Cougnier. S'offre un bon bol d'air au classement en attendant les autres équipes, notamment les concurrents directs. Voilà, 2, 3 en gros. Ah ouais, Tombea, lui aussi qui ne jouera pas. On le disait ce week-end, il y a aussi Juan Ono et puis Passo qui a. Après, ils ont deux matchs en retard. Ils ont quand même deux matchs en retard, Juan Ono et l'Horizon Passo. Qui se lève. Ah, super ballon super pour ballon, Roberto. Il est pas en jeu. Ah, il a pas. Il est... Néwéré, l'intervention limite. Ah, heureusement, hein, il était en retard, le gardien, sur ce coup-là. Ah, il va falloir essayer de gérer cette profondeur. Oula, ballon rendu. Rendez-vous, la talonnade, Manmieux. Ouais, ça joue
dans un petit espace et le bon retour du capitaine Ashley Napour à Bowie. Alors voilà, c'est une ligne de 5 et une autre ligne de 5 là pour la JS Baco. Promeno, ballon perdu encore, ouh là là, ça régale, ouh dommage. Aoudja qui avait trouvé par une subtile talonnade à nouveau Coutureux. Ça repart pour la JS. Cherche Silva côté gauche, Poitili. C'est encore récupéré. Heureusement. La grosse faute de Gabriel Vacoumé qui va prendre un avertissement logique qu'il était en retard. Hein, Gabriel Vacoumé. Faute sur Poimeno et ça fait donc un carton jaune pour le latéral droit de l'ASK. Le retard. Ouais, pas perdre ses ballons parce que ça offre des c'est contre-attaques 3 contre 4 à l'aise Grunier. Ah, il n'était pas en jeu, c'est, même lui il le sait qu'il était l'arbitre assistant continuait de je crois qu'il aurait levé après ouais. Quand j'aurais touché le ballon et ça repart pour Baco. Allez, un peu d'espace. Allez, là avec là, bon. Tagawa, Daniel Tagawa, le bon ballon, pourquoi pas la réduction du score, la frappe ouais, c'était bien joué ça Seb. Ça, faut pas qu'ils retombent dans leur travers, l'Escounier, parce que là, c'est vraiment pareil. Ils sont en train de jouer comme Baco avec deux blocs, ça, deux lignes. Là, on va les voir. Et on revoit, il y avait des solutions à droite et à gauche dans 4, le jeu intérieur. 4 là. Contre 4, ouais. Poulia, il était seul aussi. Bah, cette ligne de 4 qui a été esselée, là, les défenseurs. Et tout le reste, c'était le bloc des milieux et des attaquants était un peu plus haut. Donc, ça fait faire attention. Pas rentrer dans le jeu de l'adversaire. Allez, Manu. Beaucoup de vent. Ouais, d'un coup, là. De vent, là. Après, ici, on connaît dans les montgolfières. Avec le choix, il y a. Les prémices de la dépression. Ouais. Montgolfière, mais. Avec un match de Super League sous nos yeux. Ouais. Et toujours ce score de 2-0. Pour Cougnier. Allez, voilà, c'est statique, il n'y a pas assez de mouvement du côté de Baco. Très peu. Et ça permet justement à ce bloc-là qui. Alors, du coup, John, avec tous ces retards, il y a des équipes qui n'ont pas joué pendant au moins un mois. Ouais. Je pense notamment, on va suivre quand même ce centre et corner. Tigaspor, hein, par exemple, la semaine dernière en coupe, c'est le seul match a joué l'AS Mandor et s'est qualifié de buts à 1. Et ça faisait un mois qu'ils n'avaient pas joué, même un peu plus. C'est ça, un mois, 4 semaines. Donc c'est vraiment dur, hein, en pleine saison comme ça, de pallier à ces reports. Parce qu'il faut garder le rythme, il faut garder les joueurs mobilisés aux entraînements. On revoit. Ce centre, il a pas pris de risques. C'est difficile, et puis après les joueurs, surtout dans cette durant cette période avec les mariages, ils se disent. Sur le second poteau, il y avait personne, heureusement. On a du temps pour revenir, il n'y a pas de match. Voilà. On va aller à. Voilà, ça, on peut louper les entraînements, on va rattraper ça. Pour l'instant, il n'y a pas de match. Donc, ah, c'est sûr, ouais, c'est difficile c'est de garder toujours, le voilà, exactement. La motivation elle est toujours plus facile quand on sait qu'on joue bien sûr. Dans une échéance proche. Quand on sait que le match il est dans 4 semaines, on s'est dit bon, on va revenir les deux dernières semaines, c'est tranquille. Attention. Ou l'attente. Une tentative. En tout cas, chapeau à cette petite équipe de Baco qui continue à jouer au football. S'énerve pas.
ils sont là pour... pour jouer. J'essaie de chercher un mot, mais c'est clair que c'est jouer au foot. Ouais, il reste dans l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est ça. Déjà une première victoire hein, pour eux. C'est vrai qu'ils ont enchaîné quand même 13 défaites pour finalement obtenir un nul contre Dombéa il y a 2-3 semaines. Et voilà, ils essayent de pas lâcher. Hein. Pas lâcher, oui. Et puis, c'est pareil, hein, parler d'une équipe qui a un match dans un mois, eux, ils sont à 13-14 défaites. Voilà, ouais, c'est dur. C'est dur, hein, moi, c'est difficile d'aller jouer dans une équipe qui t'arrive, chaque week-end, tu perds. Ouais, après, c'est humain hein, de baisser un peu la tête, de décourager. C'est ça. Mais au moins, c'est vrai que la JS, au niveau de l'effectif, il lâche pas. Et s'ils arrivent à se construire comme ça, en se faisant une bande de potes qui arrivent à travailler ensemble, même dans la défaite ou même dans la difficulté, peut-être que ça va créer quelque chose d'intéressant pour l'année prochaine et forcément donner naissance à un groupe qui peut s'épanouir l'année prochaine. Et puis revenir, pourquoi pas, revenir plus armé, plus fort, exactement. Plus fort dans les saisons à venir. C'est tout le mal que l'on leur souhaite. À la JS, un club emblématique, hein, on le rappelle, du football calédonien, un des clubs les plus titrés de l'histoire du foot cagou. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Kounié a fait pour l'instant l'essentiel, mais il reste du temps. Faudrait pas se faire peur du côté des joueurs de l'île des Pins. Attention, très bien tiré. Tête. Vaquier encore lui s'impose dans le domaine aérien. Et la touche pour Poimeno, je crois qu'il va la jouer longue. Il cherche dans la surface de réparation, intervention de Vakoumé. Attention, ça va aller vite. Contre, là, c'est du 4 contre 2. Contre 2 avec Manmeu. Il faut qu'il aille fixer. Gianni Manmeu. Manmeu. Ah, dans l'axe, il y avait une solution avec Newere. C'est mal géré ce contre. Express. Ah oui, il n'avait personne pour passer dans son dos. Là. Il aurait peut-être pu se réaxer. La frappe sur le poteau. Quelle frappe enroulée de Newere. Lui aussi, il a manqué à cette équipe de Kounié pendant 2 mois. Au minima, il était absent, Roberto. Et là, il s'est retourné, il a enroulé. Magnifique. Ouais. Et il est sauvé par son montant droit, le gardien Marco Poirapo et Sagué. S'ils arrivent à garder cette équipe, ça peut être un signal pour les autres équipes. C'est bien fait ça avec Tagawa, elle est pas en jeu. Tagawa, quel retour. C'est malheureux que son contrôle, il le fait juste en face de lui, près de son adversaire. Bref. Superbe retour de Bakouni. Ouais, c'est vrai que. Il fait un petit contrôle un peu sur la droite avec son bras pour protéger son ballon. Et puis après, il frappe. Après, ça va vite. Hein. Après, ça va vite. Jouer avec son corps, notamment. Voilà, c'est ça. C'est ça qui fait les différences hein, chez les attaquants. Tout le corps, le foot se joue avec tout le corps. Attention parce qu'à l'opposé, Vendégo va très très vite. Et superbe le retour de Lorient Wenegoua, mais il est signalé faute. Ouais, ça souffle. Ça souffle, ça souffle, Nouméa. On le voit. Pour pivot roulé qui vient embrasser l'extérieur du poteau. Ouais, on était encore pas loin d'un superbe but. Attention. Et avec le vent où ils se sont gênés, ballon qui traîne dans cette surface de réparation. Ils n'ont pas suivi.
Et ouais. La relance avec Dijoux. C'est bien orienté ça. Avec Silva, les faux proposés. Voilà joué. Le soutien. Poitili. Ah, il a trop traîné. Il a mis du temps. Et quel retour. Le Vakoumé, il est partout. Manmieux. Bien joué. Allez, c'est là où il faut, dans la transition, que Paco soit plus compact, plus réactif. Allez, il faut qu'il transmette. Et heureusement, c'est mal donné. Et on cherche à nouveau le gaucher. Silva. Et belle intervention de Vakoumé. Voilà, on va rentrer dans ce temps additionnel. Changer, c'est fait. Allez, il faut lui offrir une solution sur le côté là-bas à droite. Il aurait dû dédoubler, passer dans son dos. Dès que le ballon, dès que la passe a été déclenchée, il faut qu'il sente le coup, le latéral droit. Il doit proposer une solution sur ça. Sur l'aile. Il faut que sur Dijoux. Je crois qu'il va la tenter là. Ouais, apporter du surnombre, apporter des solutions. C'est ça. Plus il y a de solutions, plus c'est facile pour le porteur du ballon de faire un choix. Et si on n'a qu'une, il va prendre la seule solution ou sinon il va pousser un joueur à. Ouais. Il faut l'attenter. Ouais. Oui. À jouer dans son sens. Voilà, c'est ça. Il faut offrir, il faut que l'appel déclenche la passe, mais il faut qu'il y en ait plusieurs. Soutien, à profondeur. Bah, c'est ce qui permet au porteur de balle aussi d'aller fixer l'adversaire. Ça aussi. Ça. Et de créer le doute un peu donc justement chez la défense adverse. C'est aussi ces solutions, les appels, profiter des mouvements de ses coéquipiers pour. Pour lui créer un espace à lui aussi. L'espace. C'est, ça. C'est là aussi d'où vient le drip souvent. Hein. C'est exactement. Feinté. Par justement le mouvement aussi des coéquipiers. En tout cas, on en reste là-dessus. 2-0 pour l'AS Cognier avec ce doublé de Gianni Manmieux. 3e, 19e minute. On va se quitter quelques instants. On vous propose de suivre l'émission web Calédo Foot, le 10e numéro de cette saison 2022 avec deux portraits, celui de Jordan Wechia et Cédric Sanso, et puis un retour en image sur les intercomités filles. U15, on se retrouve juste après la pause. Calédo Foot, votre émission web du foot cagou, c'est parti pour ce mois de septembre, la saison 2022 qui suit son cours, et Calédo Foot vous propose de revenir en images sur l'affiche des huitièmes de finale de la Coupe de Calédonie. Tiga Sport affrontait le samedi 27 août l'AS Mondor, c'était sur le terrain synthétique du stade de Pentecôte de Nouméa. À 3 mois de la fin de la Super League édition 2022, Calédo Foot vous a concocté un top but du championnat élite calédonien, les attaquants de Super League qui nous ont régalé durant ces 5 premiers mois de compétition. Mais vous le verrez, c'est un défenseur qui nous a offert ce qui en tout cas nous semble être pour l'instant le plus beau but de la saison. À vous de juger. Compétition sportive des plus attendues sur le territoire, la Coupe de Calédonie animera une nouvelle fois cette fin de saison du foot cagou pour une édition 2022 qui verra le vainqueur calédonien retrouver le 7e tour de la Coupe de France d'ici fin octobre et après deux éditions ratées en raison de la crise Covid. En attendant, la grande finale de la Coupe de Calédonie prévue le samedi 8 octobre à Koné, en cette fin du mois d'août, Tiga Sport et l'AS Mondor s'affrontaient afin de décrocher leur billet en quart de finale de la compétition. C'était d'ailleurs le choc de ces huitièmes de finale, et très vite les deux équipes allaient mettre de l'intensité dans cette rencontre. D'un côté donc les hommes de Leonardo Lopez, leader de Super League, de l'autre les joueurs de Patrick Diéike. L'AS Mondor qui aura livré une belle opposition tactique à son adversaire du jour, notamment en première période, mettant de l'impact dans les duels, dans une mise en place en 3-4-3, mettant en difficulté
ce même système de jeu qui est mis en place depuis le début de saison par Léo Lopez. C'est sur un contre-express que le Mondor va ouvrir le score, profitant d'une récupération consécutive à un corner de Tiga. Dan Vakir voit sur orbite, Romayel n'est pas moins doux. L'attaquant mondorien remporte son duel face à Jean-Yann Dounézek. On joue depuis 12 minutes et ça fait 1-0 pour les joueurs de Patrick Gueye. Devant un public contraint au huis clos, les Rouges et Noirs poursuivent sur leur lancée, insistant sur les renversements de jeu et trouvant de l'espace dans le jeu à l'opposé. Les duels sont engagés et la partie équilibrée. Cette année, Tiga peut aussi compter sur des exploits individuels. Cette fois-ci, c'est Jean-Louis Oukan qui s'y colle et qui, d'une frappe limpide, remet les deux formations à égalité. À 10 minutes de la fin de la première période, ça fait un but partout. Dans la foulée, la SMD a une énorme opportunité de reprendre l'avantage. Bien lancé dans la profondeur par Jean-Pierre Ayawa, Romayel n'est pas moins doux encore lui, se présente à nouveau devant Dounézek. Mais cette fois-ci, l'ex-gardien international Kabou remporte son duel. Tiga a eu chaud, le score n'évoluera plus avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, la rencontre se fait un peu plus poussive et le jeu un peu plus fermé. Les défenses prennent le dessus sur les attaques. Jusqu'à ce fait de jeu et cette expulsion du buteur mondorien. N'est pas moins doux, récolte un deuxième jaune synonyme d'exclusion. Et voilà le Mondor réduit à 10 contre 11. Forcément un tournant dans ce match. Tiga va alors pousser pour aller chercher sa qualif. Et le Mondor qui va finalement craquer en toute fin de match. On joue la dernière minute de jeu. Morgan Matelo oriente côté droit vers David Berrounet qui perfore la défense mondorienne et offre sur un plateau le but de la qualification à Jim Wellepan. Cette fois-ci, le Mondor a laissé passer sa chance. Et c'est Tiga Sport qui tient son billet pour les quarts de finale. On écoute Leonardo Lopez, l'entraîneur de Tiga Sport, forcément satisfait de poursuivre l'aventure coupe. Le genre de match auquel on s'attendait après une longue période sans jouer de match officiel. Du coup, on savait pas trop où on allait vis-à-vis du groupe et vis-à-vis du rythme et vis-à-vis des conditions athlétiques de chacun. Parce qu'on a, avec cette période de match et de match annulé, on a eu
beaucoup beaucoup d'absences et encore aujourd'hui pour jouer contre cette équipe de Mandor. Et du coup on a eu le match auquel on s'attendait avec beaucoup de duels, beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité dans le bon sens du jeu des deux côtés. Et il a fallu cravacher jusqu'au bout pour l'emporter et marquer ce deuxième but sur, juste avant les arrêts de jeu. Mais voilà, je tiens encore à féliciter la bande parce qu'encore une fois, ils ont montré qu'avec la solidarité qui est la leur et l'abnégation qui est la leur, et qu'on peut malgré une préparation difficile, essayer d'être performant le samedi et essayer de remporter la victoire. Donc voilà, félicitations à eux. On a dû un peu rafistoler et s'adapter vis-à-vis des absences. Donc moi je tiens à ce 3-4-3 parce qu'on le travaille depuis le début et les joueurs savent s'adapter en fonction du poste auquel on les fait jouer. Et du coup satisfait oui parce qu'on a retrouvé nos automatismes, on a retrouvé par moments des séquences de jeu qu'on travaille à l'entraînement. Et on a retrouvé aussi une certaine solidité défensive contre cette belle équipe du Mandor. Il reste encore 9 matchs de championnat et encore des matchs de coupe de Nouvelle-Calédonie. Voilà, le club a fixé des gros objectifs. Maintenant, tout va dépendre de notre effectif parce qu'on a eu des départs en métropole. On a eu 3 départs en métropole, Didou, H et Waiso qui repart en métropole. Donc il va falloir s'adapter. Comme on l'a dit depuis le début, on a un groupe très réduit en quantité et en qualité, mais surtout en quantité. Mais voilà, il faut qu'on fasse bien attention aux blessures et aux cartons. Et notre saison dépendra de ça, sur le fait de garder le groupe jusqu'au bout et de ne pas avoir trop de blessés et de joueurs suspendus. Mais on va essayer d'aller au bout maintenant. On prend les matchs un après les autres et on fera les comptes à la fin, comme on dit depuis le début. Oh, yeah.
Voilà, c'est fini pour ce 11e numéro de la saison de Calédo Foot. On se retrouve très vite, courant septembre, pour de nouveaux numéros de votre émission web 100% Foot Cagou. Toutes les vidéos du football calédonien qui sont à voir et à revoir sur la FCF TV Web. Ciao à tous. J'ai ressenti le besoin de me ressourcer, de retourner là où sont mes racines. On a envie d'aller voir plus haut, plus loin. Avec Pacific Plus, il y a tout ici. C'est magnifique. Dépassez vos limites. C'est une fierté pour la tribu, pour les gens, pour nous, quoi. Chaque jour sur Pacific Plus, à partir de 17h, Canal 10. On est de retour au stade de Madélé, toujours beaucoup de vent ici au grand stade de Nouméa avec, on le voit, c'est des belles images, un temps quand même malgré tout ensoleillé, un peu nuageux mais pour l'instant ça va, le soleil est bien présent, en tout cas il n'y a pas de pluie du côté de Nouméa et donc on va revoir les moments forts de cette première période entre l'AS Kounié et la JS Bako. On vous avait annoncé un sujet à la mi-temps. Vous avez vu finalement que c'était donc la Coupe de Calédonie finalement qui a été mise à l'image avec un top but aussi de la Super League sur ses 15 premières journées. Et Gianni Manmieux, lui aussi, il a mis un beau but sur cette première période, dès la troisième minute, un superbe enchaînement. Puis un ballon joué rapidement de la part de Roberto Nehuere. Quelle passe de Roberto Nehuere. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de largesse, notamment dans le dos de cette ligne de 4 défensive là où la JS Bako doit encore travailler ça, hein, cette gestion de la profondeur aussi de John. Ça aussi, et puis communiquer tout simplement, la première des choses. Hein. Quand on joue en équipe, c'est de savoir se parler. Là, justement, ouais. Sur cette action. Sur cette action, il y a un problème de communication, ouais. Se parler. Ça offre un pénalty et un doublé pour Gianni Manmieux. 9 buts. Pour Gianni Manmieux, ouais. En 15 rencontres, enfin en tout cas en 14 rencontres et demie, puisque pour l'instant il reste encore une mi-temps. C'est pas mal pour un milieu. Pourquoi pas monter ses stats. Mais bon, je crois que voilà, Gianni c'est pas non plus un but recherché, mais il fait une sacrée saison aussi au niveau personnel, au niveau des stats perso de Gianni Manmieux, meilleur buteur de cette équipe de l'AS Kounié, alors que Marvin Vandégou. Sur ce centre-tir avait failli marquer ce troisième but pour l'AS Kounié. Voilà, des enchaînements, comme tu le disais aussi John, Kounié a joué simple et efficace. Simplicité, sobriété. Ouais, ils ont essayé, là on le voit, en une touche. Avec un joueur qui décroche de plus loin, l'autre qui part. Puis on le voit, là, les c'est... espaces, on l'a vu sur cette dernière action. Qui ont été bien exploités. Voilà la seconde période qui va donc repartir avec l'AS Kounié et Aoudja qui donc mène 2-0. Et qui donc ferait une belle opération au niveau comptable. Ça leur donnerait une sacrée bouffée d'oxygène. Au classement, ça mettrait la pression sur, on le disait, les concurrents directs, notamment l'OSI Dombé à Wetch. Un peu plus aussi Juanono, qui quand même reste à... Ouais, ils ont quand même deux matchs en retard. 30 points. Attention. Mais c'est vrai qu'il y a des matchs en retard. Pour l'équipe de Lifou, seulement 13 matchs disputés, comme l'Horizon Passo. Et donc c'est reparti pour cette rencontre, cette seconde période entre Kounié et Bako. Restez bien avec nous sur les antennes de Pacific Plus et la FCF TV Web. Coup d'envoi 17h30, la seconde rencontre du jour télévisée entre l'AS Wetch et l'AS Mondor. Deux équipes en confiance. Un beau mouvement côté gauche. Ah dommage, il n'y a pas cru Tagawa.
Et la relance. Dijou à la récupération. Kouni qui repart côté gauche. Avec l'intervention de Lorient Wanehua. Repéré. Très bien fait, superbe avec Vakoumé, le petit centre. Oh, alors, on rappelle hein, que demain, deux très belles rencontres ici au stade Noumadélé. Ça sera pas télévisé, donc il faudra venir au stade pour assister à l'AS Magenta Yengen Sport. Ce duel devenu classico au fil des saisons. Coup d'envoi 15h30 et puis à 18h, je rappelle bien 18h, Tiga Juan Onosport pour le second match de demain dimanche. On vous tiendra informé aujourd'hui de la rencontre qui se dispute à 16h au stade Nassé de l'IFU entre Nejiu et Dembea. Dembea qui va aussi devoir aller chercher, devoir aller chercher sa victoire, enfin des points, oui. La victoire, ça va être difficile, mais. Sachant qu'ils ont, ils vont avoir. Un match toujours d'avance sur les autres. Ah, c'est bien joué ça. Bien fait. Léac dans l'axe avec Tagawa. Mauvais contrôle, dommage. C'est pas fini ici. En plus, il le sait que le ballon il va venir vers lui. Il l'a senti. Et il s'est pas mis en condition. Là, on le voit, il part. Super seul. Mouvement côté droit et en retrait et là il doit soit enchaîner avec une frappe en première intention ou contrôler court et enchaîner contrôle frappe un peu à la Lionel Messi. Il faut aller vite. Il faut aller très après, vite. Il aurait pu s'arrêter ou reculer un tout petit peu parce que le ballon était mis en retrait. Ah, de toute façon dans la surface, il faut aller très vite. Aller vite. Contrôle. Ouais, ça. Frappe enchaînée ou voire frappe en une touche, mais c'est vrai que l'enchaînement doit être hyper rapide sur notamment les prises de balles et les reprises d'appui. C'est la zone dangereuse, c'est la zone où tout le monde bouge, où ça va vite. C'est pour ça que celui qui va recevoir le ballon ou le porteur du ballon doit aller vite aussi. Ouvrir son angle, son contrôle, ouvrir l'angle, il faut que ça aille très très vite, un minimum de secondes. On sait que le but le plus rapide, je crois, en Ligue 1 cette année, c'est 8 secondes. Ouais. Mbappé. Donc, imaginez ce qu'un attaquant doit faire à l'intérieur d'une surface de réparation. Quand il a une décision rapide à prendre. J'ai bien fait ça, en tout cas. Ouais. Vous verrez, là. Ah, c'est... Superbe mouvement. Ouais, bien ça joué. File côté droit avec Vakoumé. Arrivé lancé. Ah, il y a un carton. Avertissement pour Pouya. Allez, c'est pas le moment de contester et de se retrouver. Il a voulu frapper. Ah, bien joué là, talonnade. Quel. Après là, deux, là, il laisse passer. Et c'est. Et il a voulu prendre l'extérieur, peut-être frapper le coup du pied sur le terrain. C'est bien. Ouais, en tout cas, je pense que Kenji Vandégout. Oui, content, je pense, de son. Ouais, il peut être satisfait. Et puis surtout, ça peut le rassurer quand on voit ce quatuor offensif. À l'action là, c'est plutôt rassurant pour les 6-7 matchs qui vont donc rester à jouer. Donc 6 matchs au sortir de cette 16e journée. Après il faut un peu plus de rigueur je pense parce que Bako, on le voit, hein, on regarde les stats, c'est 14 matchs, 13 défaites. Donc aujourd'hui Kounier, quand on voit ce qu'ils ont fait l'année dernière et ce qu'ils font aujourd'hui avec la même équipe, on se dit qu'ils peuvent mieux faire. Bah, on a aujourd'hui les deux plus mauvaises défenses de cette saison 2022 pour l'instant. 31 buts encaissés par Kounier et puis là 50 buts quand même. Dabé aussi, c'est 31 buts encaissés. Ouais. Donc forcément, il n'y a pas de secret. Après, ouais, c'est. Donc il va falloir qu'il travaille sur ce côté-là. On le sait déjà, Kounier, ils le savent aussi, que
entre leurs lignes, il y a beaucoup d'espace, que les distances sont parfois pas respectées, que sur leur phase et leur animation offensive, bien, mais c'est après sur le replacement défensif, sur le repli, bah, c'est un peu plus difficile. Ça met plus de temps, ça a moins de rigueur sur les déplacements tactiques, sur resserrer les lignes, sur distance entre les partenaires, essayer de bloquer, faire bloc sur tout ce qui est offensive adverse. Un coup franc très dangereux avec le pied gauche de Néouéré, c'est juste au-dessus. Alors John, on va saluer justement François-Louis-Marie qui nous suit depuis, figurez-vous, l'avion. Il est parti, donc il est sélectionneur adjoint de U19 aux côtés de Pierre Wadjoka, le sélectionneur. Ils sont partis tout à l'heure, on les salue, hein, nos jeunes U19 ouais, c'est ça. De Calédonie pour Tahiti. Ils disputeront, on va suivre quand même, les qualifications océaniennes à la Coupe du Monde U20 2023 qui se jouera quant à elle en Indonésie. Et ils nous suivent depuis l'internet parce que n'arrête pas le progrès. Ah bah, coucou à eux, bon courage à eux, c'est clair. Et puis bah, je pense à Pierre Wajok, enfin François qui pense à son équipe de Cougné là, qui les regarde, et puis bah Wawes, Pierre Wajoka qui doit penser au match de demain. Entre Magenta et Tigasport. Oh, je pense qu'il aura le regard avisé sur ses messages et le fil score qu'on lui enverra. Ouais. Parce que malheureusement demain ça sera pas en direct. Parce que lui aussi il a une carte à jouer sur. Les premiers rôles. Ah bah, en battant Yengen demain, il reviendrait. Ah, c'est Yengen, Magenta Yengen, pardon. Il reviendrait fortement dans, ouais, la course à la deuxième place, puisqu'ils auraient alors seulement 2 points de retard sur Yengen Sport. En cas de victoire. Magenta, forcément, Yengen, il ne voit pas de la même façon, puisque. C'est le titre, hein, qu'ils vont aller chercher forcément les nordistes. Belle bataille demain à distance entre Tiga et Yengen et puis Magenta aussi qui sera à l'affût. Superbe là, magnifique avec les hacks maintenant. Ballon en retrait. Tagawa, la frappe, superbe. Ouh, attention. Il aurait dû tomber. Il aurait dû tomber, c'est pas fini avec le petit crochet dans la surface. Ouais, non, David Pouya, je crois, qui cherchait et qui demande en tout cas le penalty. Ouais, ouh là 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 là. C'était chaud sur la cage de Julien Drupé. Il y a eu deux fautes quand même. Hein. Je pense que si Silva, il la joue malin, il tombe, il y a penalty. En tout cas, on voit ce super mouvement initié par Wanewua. La frappe de Tagawa, superbe enchaînement. Là. Et là, faut qu'il tombe. Ouais, faut qu'il tombe. Là. Faut la jouer malin. Et il y a faute. Ouais, et puis il était en face du joueur, c'est ça qui. Et David Pouya, ouais. Il était bien placé, l'arbitre. Il me semble hein, vraiment qu'il y a faute parce que Vaquier. Après, il a pris sa décision. Ouais. Sur le, ouais. En tout cas, monsieur Reboul, il a fait son choix. Attention. Petit crochet. Pas jeté, pas jeté surtout. Frappe peut-être à venir. Gianni Magneux qui se met en tente de se mettre en position de frappe. Voilà, faut faire. Il repasse par derrière. Vaquier à l'opposé. Néouéré. Ça traîne dans cette surface. Magneux maintenant. Et c'est au-dessus. En tout cas, Bako avait une belle opportunité là de revenir et de relancer cette rencontre. Oui, et puis on voit qu'il y a des phases intéressantes, donc il faut qu'ils s'appuient sur ça, les joueurs de Bako. C'est ce qu'ils peuvent faire d'intéressant et puis essayer de l'accentuer et puis travailler pour que ça soit de plus en plus ça répétitif, les bonnes actions qu'ils font. La frappe Dijoux, Alexandre Dijoux là qui a envoyé un missile, frappe très tendue. Et c'était pas loin de la lucarne. Ouais.
Allez voir la ligne des milieux défensifs, ils sont alignés. Et qu'ils soient être alignés, c'est s'exposer à être éliminé en une seule passe par l'adversaire. Donc, fermer les intervalles. Ça... Voilà. Souvent ça se joue en binôme. Hein, C'est ça. Et de toute façon, faut que le joueur à chaque fois regarde où est placé son partenaire pour savoir s'il est aligné ou pas. S'il est aligné, bah, qu'il aille. Qui monte un peu plus ou qui descend, mais voilà, un qui sort de la ligne. Hein, voilà, un qui sort de la ligne, c'est ça. C'est un cacan, ça. Ah, c'est là où c'est difficile hein, au niveau du football, c'est de toujours être dans la prise d'information c'est avec ça, son la prise binôme souvent, là. Et puis sur le, aussi par rapport à la ligne. C'est ça, en permanence, par rapport à l'adversaire, par rapport à la ligne, par rapport à l'équipe, c'est par rapport à tout. Parce que concentration de tous les instants. C'est ça. Parce que si ton partenaire est mal placé, tu te cales par rapport à lui et c'est pas par rapport au groupe, c'est aussi une erreur. Donc c'est un tout, c'est une prise d'information sur tout. Avertissement. Pour le capitaine, il me semble. J'ai l'impression qu'il avait mis le carton. Non, c'est pour Aouda. C'est pour Jean-Paul Aouda, ouais. Moi aussi. Parce qu'il regardait un peu. Ouais, non, c'était bien. Jean-Paul Aouda. C'est ça, c'est lui, c'est Jean-Paul Aouda. Et Schley, Napoura Poé qui allonge. Intervention de Vakoumé, Manmieux. Ah, ils sont mieux là, les joueurs de la JS. Mais attention à ne pas s'exposer en contre. Avec Manu qui cherchait Vendégou. C'est mal donné et ça repart. Dijoux. Alexandre Dijoux avec côté gauche. Poitili. Ah, ils jouent en marchant les joueurs de Bako. Faut plus de mobilité. Et c'est de la surprise aussi, c'est pas la vitesse, c'est l'explosivité. Vendégou. Au petit trot, ça va être difficile de surprendre l'adversaire. À plein axe, on cherche pas mal de jeux intérieurs là sur cette seconde période côté Cougnier. Il s'est imposé, Vakoumé a fait le ménage. Manmieux. Ah ben non, mais ils auraient pu laisser l'avantage. Voilà le seul buteur pour l'instant. Cette rencontre avec ce doublé, Gianni Manmieux. Permet aussi un de mener de deux buts alors que l'on passe à l'instant même l'heure de jeu. Néguéré, coup franc, cherche un second poteau, c'était un peu long. Et là, on a carton, non ? Et voilà, une pilule. Petit carton jaune un peu bête. Ouais. On va finir avec aussi c'est U19 hein, John, donc c'est le groupe C qui attend les Calédoniens. Groupe A3, Vanuatu et Samoa, les adversaires en phase de poule. Et puis on rappelle que... J'espère qu'ils feront mieux que les grands. Ouais. Et qu'il y aura deux places qualificatives océaniennes pour la Coupe du Monde FIFA U20 en 2023. Donc il y a un coup à jouer peut-être avec... Justement, des U19 que l'on voit souvent à l'œuvre en championnat. On passe notamment aux 5-6 joueurs de l'OSI. Ouais. Paul Jeune et compagnie qui seront de la partie. Il y a aussi des joueurs de Magenta. Donc voilà, c'est intéressant de voir aussi comment vont se comporter les U19 à l'international. Tahiti est allé se préparer, hein, par exemple, aux États-Unis. Ouais. Alors nous, c'est vrai que Pierre Wadjoka regrettait un peu ce manque de regroupement.
Nous aussi, on a les États-Unis. Hein. Tu vois, Jolou, ça s'appelle New York. on a New York. New York des loyautés. New York. On a ici England avec Kigiland. Et on verra, hein, parce que c'est pas la préparation. Le lieu de la préparation, des fois. Après, c'est la clé. Y a pas, c'est sûr que c'est important, mais des fois, si le football de... réserve aussi des surprises. Non, moi, je ne sais pas. Mais c'est sûr que. J'ai jamais vu une équipe réussir un grand tournoi en ayant fait une mauvaise ou préparation pourrie. Ça. Tagawa. Si je vais te donner un contre-exemple. Dis-le-moi, c'est. Ça remonte. Ouais, c'est celui je crois que c'est l'Euro 93 avec le Danemark, alors qu'on va suivre. Ah non, mais la Gianni préparation, Manieux. C'est pas une petite préparation qu'ils ont faite. Manieux. Ici. Ouh, heureusement l'intervention. Non, mais le Danemark n'était pas prévu dans la compétition. Ils ont été repêchés du fait d'un forfait de dernière minute d'une des nations. Et c'est en 94. 94, et il rappelle le Danemark qui finit. Non, c'est ça, tu vois, ça va. Qui finit donc par faire un euro exceptionnel alors que les joueurs étaient déjà partis en vacances. Ouais. Ils les ont rappelés, ils étaient déjà en vacances. Mais c'est rare. Ah mais après, je te l'accorde. Ouais, ouais, mais ils ont quand même dans leurs jambes tout un championnat quoi. Ouais. Ouais. Et c'est un gros championnat. Quand les Laudrup et tout ça. T'as c'est... raison, hein, c'est juste pour te taquiner. Ou attention, on a failli rater le but. Là, on a des joueurs, ils n'ont pas joué depuis un mois. Pour l'exemple, ouais, des petits joueurs de. Alors, c'est vrai si on avait des 19 de Tiga, donc je sais pas s'il y a des 19 de Tiga qui sont dans le. L'équipe si, de... Sake. Oui, il y a Sake Forest. Non, ils ont joué le week-end dernier, donc c'est vrai que. Ça manque de compétition. On espère que ça paiera sur au moins ces matchs disputés ce week-end et puis jeudi soir pour les joueurs de l'OSI, par exemple, qui ont repris un peu de rythme. Ouais. Et puis, il y a le travail de cohésion, le travail d'équipe avec ces 19 ans. Quoi. C'est des joueurs qui évoluent chacun dans leur club. C'est de trouver une alchimie entre tous ces joueurs. Ça, c'est le travail de Pierre Wajoka, de Wawes. Mais c'est clair que s'il n'a pas assez de temps pour la préparation. Quoi. En tout cas, il y a du talent hein, dans cette équipe. Donc, on va vraiment leur souhaiter bonne chance. Oui, parce que la plupart, ils jouent en Super League. D'ailleurs, les 6, ils ont repoussé leur match à cause de ça. À cause des 5 joueurs qui sont exactement. Partis. Ouais. Et ce qu'ils devraient faire également donc pour la 17e journée. C'est dans les règlements. Donc l'OSI. Enfin, c'est dans les règlements pour les seniors. Non, enfin, pour les... Non, non, pour les sélections. Oui. Dans le règlement, c'est marqué sélection, Même si c'est sélection de Nouvelle-Calédonie. Donc il n'y a pas de précision sur le. Ça peut être jeune, comme senior. D'accord. Alors, peut-être un point, peut-être qu'il faudra revoir justement dans les années prochaines. Pour, c'est vrai que ça complique forcément le travail de mise en place du calendrier de programmation des rencontres. Et l'OSI donc qui devait affronter Yengen hein, le samedi 17 septembre, sûrement que le match va être reporté si l'OSI en fait la demande en tout cas. Voilà hein, pour les précisions aussi, les gens qui nous écoutent, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements de jours et d'horaires cette semaine, c'était compliqué à suivre. Même pour nous. Moi, j'ai plus cherché à comprendre. C'est, on va dire. Allez, Vendégout. Marvin Vendégout. Retour au jeu avec l'attaquant de Cougny qui se bat. Ouais, beaucoup de pertes de balles et de manque de justesse technique des deux côtés. Là. Des deux côtés, oui, ça. On va assister au premier changement du côté de la JS Baco. Deux changements. Ah, c'est double Silva. Changement. Côté gauche qui sort. Ouais. Kaique Silva. C'est quoi, c'est un portugais, c'est un.
C'est un Brésilien. Ah, je sais pas, mais ça fait plus portugais. Ouais. Il avait pris un coup apparemment. Et l'entrée de Pateja Wabealo. Famille Wabealo, famille de footballeurs. C'est ça. Vaquet qui relance. Vakoumé. Gabriel Vakoumé. Attention. Après, c'est vrai que John, pour revenir là-dessus, c'est sûr que la préparation un peu tronquée et express n'a pas facilité le travail du staff et de Pierre Wadjoka, parce que forcément, il y a un système de jeu qu'il a en tête, qu'il va falloir mettre en place, il va falloir trouver les repères, trouver, travailler les combinaisons. Et puis il faut qu'il teste. Le système préférentiel. Ouais. Son système préférentiel, il va naître en fonction de la qualité de ses joueurs, voilà. Les compétences de ses joueurs. C'est. Après, voilà. S'il a du temps, il pourra bien s'appliquer à le faire, mais si ça manque de temps, et ben. Il va falloir faire tout ça à la va-vite. C'est pour ça que la préparation, plus on a une préparation longue et bonne, plus l'équipe est plus facile à préparer. Plus on est serein, forcément. Plus on est serein après. Ça, c'est sûr. Et on peut faire face parfois à des difficultés de dernière minute parce qu'on a su réajuster, parce qu'on a fait des tests, fait plusieurs tests. Sur la formation tactique, sur les joueurs, les potentielles qualités de certains joueurs qui peuvent être adaptés à un système ou à un schéma tactique ou à une équipe ou caractère d'un joueur. Je sais pas, il a besoin d'un joueur juste pour le vestiaire parce que lui il va combler ce manque qu'il n'y a pas sur le terrain. Bah, c'est tout ça, c'est beaucoup de choses. Et ça ne se réfléchit pas en deux semaines. Allez, ça repart pour Cougné. Manmieux repris avec finalement un ballon qui atterrit 3 contre 2. Dans les pieds de Vendégou. Il s'est un peu précipité, dommage, mais on voit quand même toujours cette faculté à très vite accélérer et griller la politesse au défenseur de par sa vitesse et son explosivité. Voir très intéressant, Marvin. Un geste tenté là. Aoudja, Jean-Paul Aoudja, Manmieux, bien fait avec un relais. Et Vaki qui cherchait ensuite la profondeur. Ça repart pour Bako. Il reste 20 minutes dans cette rencontre. Ouais. Allez, pourquoi pas un but avec Tagawa dans la surface de réparation. Quel arrêt. Et pourquoi pas un match qui serait relancé. On y a cru, là, en tout cas. Et Tagawa, ça fait deux fois. Hein, fils de Félix Daniel qui a failli... Oui, il fait beaucoup d'appels, il demande beaucoup. Mais ce qui lui manque, c'est encore la prise d'information avant même d'avoir reçu le ballon. S'il arrive à... Ça, c'est un petit détail qui pourra lui servir et qui pourra lui donner un petit avantage sur son adversaire. Et ça repart de l'autre côté. C'est hors jeu. On l'a vu. C'est l'arbitre qui est en jeu. Apparemment, M. Reboul n'avait pas été bipé ou il n'avait pas entendu le bip de son assistant. Il y avait bien en jeu. Ah, parce qu'on a des bips, nous aussi, ici. Non, pas de bip. Si. Ah, je l'ai vu. Ouais. Ouais, il y a faute. Et pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, c'était l'Euro 92, mon cher. 92, pardon, 94, voilà, j'ai cherché. 92 avec le Danemark. Ça remonte pour les plus jeunes. Je sais pas si même ils étaient encore déjà nés, mais
Pour les plus anciens, ils se souviennent de cet euro. C'est Laudrup. Oui, c'est Brian et... Non, c'est ils avaient remporté un peu de façon surprenante cet euro. Ouais. Il y avait eu la forfait de la Yougoslavie. Mikael Laudrup, merci. Mikael Laudrup. Il y a deux, ils sont tous des frères. Réalisateur, Mikael Laudrup. Merci. Et donc ils avaient pris la place de la Yougoslavie en pleine crise, il me semble. Je crois, c'est ça, parce qu'il y avait le... Du coup, ils ont été repêchés et... Il y avait Milosevic, mais lui, il n'était pas sur le terrain, Milosevic, lui. Et donc le Danemark, il compte à son palmarès... Ce seul titre majeur, alors qu'ils n'étaient pas prévus dans la compétition. Non, c'était pour revenir sur les cas surprenants, mais c'est vrai que dans l'ensemble... Et 92, c'est... La prépa reste essentielle. 92. 92, c'est la France perd en... Ah bah la France avait raté Quart. Son euro. Raté. C'est qu'il y avait Mikael Madar, je crois. Il me semble qu'ils n'étaient pas passé les poules. Qu'il avait joué. Mikael Madar. Consultant en Canal Plus d'ailleurs. Okay. Allez, double changement avec du côté de Cougné, les rentrées. Buteur. De Takamatsu. Et le buteur qui sort sa place à Evan Ael Cotereux. Et du côté de Bako aussi, on a deux changements. Alors Bako, j'ai pas de numéro de 19 sur la feuille de match, j'ai Lionel Wabealo qui va faire son entrée. Il me semble que c'est Denis Goetche qui est rentré aussi. Et voilà, en tout cas Lionel Wabealo, numéro 13. D'ailleurs, oui, la France s'était fait éliminer en phase de poule. C'était du temps de Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin était là, oui. Et le Danemark avait sorti la France dès la poule, dès la phase de poule avec la Suède. Donc c'était un euro raté pour les Français. Et c'était la période un peu difficile. Après, il y a Ginola aussi. L'élimination par la Bulgarie. Avec Christos Stoïkov. Voilà, c'était pour la petite page historique qui nous amène au dernier quart d'heure. On va se reconcentrer au jeu. Mais on aimerait bien voir, pourquoi pas, un petit 30 but. Ans. Exact. C'est vrai, Ben. Ça fait 30 ans. Ouais, ça ne nous rajeunit pas. On aimerait bien, en tout cas, voir la JS. Pourquoi pas réduire la marque, aller emballer cette fin de match. 92, ouais. Il y a un contre énorme, il est pas en jeu, Marvin Vandegoût avec un sprint magnifique. Duel à la course là entre Vandegoût et Wene Ouya qui va très vite. Ah, ça va très vite. Il a déboulé là sur le côté. Ah bah il y a des serves dans le nord. Pour ça que. Ça va vite. Il faut se servir de cette qualité de vitesse dans le football calédonien, justement sur les phases de transition. C'est vrai, il faut se replacer aussi. Il y a du 2 contre 1. Kamatsu. Et il y a hors-jeu. C'est mal géré tout ça. Ouais. Ils ont l'occasion de tuer le match à la Escounier. Attention à ne pas se faire de frayeur non plus sur ce dernier quart d'heure. Il faut qu'il continue de jouer juste et se préparer pour les prochains matchs. Même s'il mène 2-0, il faut qu'il continue à être rigoureux. Les transmissions dans les phases défensives, phases offensives. C'est pour préparer déjà le match à venir. C'est de jouer le plus juste possible, le plus simple possible, s'habituer à avoir ce comportement. Cougné qui affrontera Dumbéa.
Le dimanche 18 septembre, donc dans deux semaines. C'est ça, mais c'est un concurrent direct en plus. Il y aura un week-end de coupe le week-end prochain. Et c'est vrai que John, effectivement, là, ça va être un match à 8 points, j'ai envie de dire. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut. Là, attention. Par le troisième but, c'est limite encore. Et Wery, qui en tout cas fait un beau retour là dans ce, ouais, cette équipe. On avait une première mi-temps qui était plus au Cougné. Voilà, le ralenti, c'est sur un 6 mètres. Il a failli se transformer en passe décisive. C'est assez rare. Et... On a vu Alain Vartan derrière, le photographe emblématique du foot calédonien, à qui on doit les clichés que vous pouvez voir donc sur la toile, clichés de Super League. Et ça repart côté droit avec Cougné à nouveau qui tente d'aller inscrire ce troisième but pour plier cette rencontre. C'est ça, ça, il y a moins de mobilité que c'est là. Vartan. Merci pour ces photos. C'est avec ces photos que j'ai pu me rendre compte qu'il y avait du monde jeudi. Jeudi soir. Jeudi soir. J'étais là. J'ai pas pu venir. Les images du match qui seront à revoir dans Calédo Foot, votre émission web du foot Cagou. Et c'était une belle ambiance, vraiment. Chapeau à Melek, elle aussi. Et on va saluer plus particulièrement le club de CO Melek pour sa performance, sa prestation. Il méritait vraiment de passer. Lui aussi a eu très chaud. Bah, et justement, il y avait un grand gardien, Warren Lupa, qui s'est envolé avec les U19 aujourd'hui, tout à l'heure. Et vraiment, Melek qui est passé à deux doigts de se qualifier. Et puis ce but encaissé à la 120e. Au bout du bout. Prolongation, c'est ce que. Et le coach Gilles Garcia à l'image qui fait également. Staff médical. Ouais, on va saluer aussi Gilles Garcia, comme je disais tout à l'heure, qui a pris son équipe en cours de saison et qui essaie de la porter au mieux qu'il peut. À chapeau, comme à ses joueurs. Et l'envolée, magnifique. Image encore. Ah, ça fait vraiment Ushuaïa là, avec les gens dans le micro. Et le public. Et le public. Qui Féminin. Aussi sont étonnés. Il y a du vent dans le micro. Ouais. Et voilà. Ouais, ben c'est homme à tout faire, Gilles Garcia. Ouais. On rappelle qu'il a coaché jusqu'en National 3 R1 du côté de Toulouse. Notamment à Auch, il me semble. Donc en tout cas, on salue le travail de Gilles Garcia. Et puis, il faudra rien lâcher parce que c'est vrai qu'avec cette Bien défaite, joué. C'est pratiquement fini pour le maintien. Et là, c'est bien ce qu'ils viennent de faire. Même s'ils ont perdu le ballon, les joueurs de Cougné, c'est l'intention qui était bonne. C'est le jeu simple et rapide. Après, ça a été un manque de justesse dans la transmission, mais l'intention était bonne. Et il faudrait qu'il multiplie ce genre de combinaison pour les prochains matchs. Et Cougné qui va entre temps aussi jouer ce quart de finale. Ils ont été s'imposer face à Dombéa en 8e. Et donc ça va être, je le disais, un mois de septembre important pour ces équipes qualifiées en coupe. Mais aussi dans des objectifs de championnat de maintien, comme Cougné par exemple, ou de titre pour les équipes de tête, ou ce bon ballon vers Néwéré, le petit crochet magnifique, et le pénalty indiscutable, quel geste il nous a fait, Roberto, magnifique. Geste de classe, vraiment, Roberto Néwéré, on connaît sa qualité technique, sa finesse technique là vraiment. Nous a régalé avec quel ballon aussi de Vendégout. Ouais, il est pas pressé, pas cadré. Après, et là, le gardien l'arrache tout. Quand même.
mais c'était bien vu, hein, le petit crochet. Alors, c'est Jean-Paul Aoudja qui va s'en charger pour, au bout de ses pieds, ce but du 3-0. Et une fin de match définitivement sereine pour Cougnier. C'est un ballon qui va monter, ça. Allez, Aoudja, pour le 3-0 et pour cette victoire. Ouais. Qui est donc validé pour l'AS Cougnier. 3-0, Bako ne reviendra pas et Jean-Paul Aoudja qui donc vient inscrire ce penalty. Cougnier va s'imposer aujourd'hui face à la lanterne rouge. Ah bah ça va être difficile pour la JS Bako, mais voilà. Nouveau changement, Dijoux qui sort. On revoit ce penalty transformé, impeccable. Goyetche est rentré. Et tout à l'heure, donc, c'était Jérémy Néa. Alors que du côté de Cognier, c'est Mathieu Doué-Perrier qui rentre. On rappelle donc qu'on a toujours la possibilité maintenant pour Kenji Vandégo à l'image, comme pour les autres coachs, de 5 changements en 3 temps. 3 temps de changement pour 5 changements maximum. Comme c'est de norme maintenant dans le football au niveau international et mondial. Et ça change aussi la donne. Hein, pour les coachs, donne, hein, le fait d'avoir 5 changements, ben, une autre gestion à avoir, c'est ça. Mais c'est plus intéressant, ouais. Je trouve. Et notamment dans le haut niveau, hein, c'est une gestion totalement différente de certains joueurs. Mais c'est plus intéressant parce que avant on avait droit qu'à 3 changements. Enfin, 3 remplacements, quoi. C'est 3 joueurs qui sortent, 3 joueurs avec qui rentrent. Souvent sur des feuilles de match où on est 16, 18, bah, même c'est ça. Parfois. Alors que là aujourd'hui, on a 3 phases et puis on peut changer autant de bonhommes qu'on veut. Quoi. C'est ça. 5 changements en 3 temps de changement. 5, voilà. C'est-à-dire que sur les. Ici, les feuilles de match sont à 16. Et on a 5. Donc, en fait, potentiellement, les 5 remplaçants peuvent rentrer. Peuvent rentrer. Alors qu'avant, ce qui n'était pas le cas avant. C'est vrai qu'il y avait au moins 2 qui restaient sur le carreau. C'est ça. Et c'est vrai que c'est dur quand on est remplaçant de rester concerné. Quand on sait surtout que... quand on sait qu'il reste un joueur seulement qui peut rentrer. Suivant, on est vite dégoûté hein, quand t'es sur le banc. Tu dis, bah, on a connu ça. Ouais, toi, peut-être à plus haut niveau, c'est encore pire. T'es vite découragé, surtout que tu pars pas à 15, tu pars à 20. Maintenant, c'est une gestion différente et des fins de match aussi où on le voit, hein, le coaching souvent fait la différence. Ouais, c'est plus intéressant pour les coachs. Plus de fraîcheur sur les fins de match. Il y a plus de fraîcheur, on peut changer la moitié de son équipe. C'est... Ah, allez, Bako qui va essayer, pourquoi pas, d'aller chercher une réduction du score. Ils auraient mérité peut-être un petit but au moins aujourd'hui. Ça continue, ça multiplie les... Attention parce qu'il y a de l'espace forcément maintenant avec la fatigue. Restez bien avec nous, on reprendra l'antenne vers 17h23. Wetch qui accueille l'AS Mondor ici au stade Nouma Délé. Match en jeu aussi. Match en jeu, effectivement. Mondor pour s'éloigner définitivement, quoi. On va dire prendre beaucoup d'air sur cette 11e place de Boragis et puis... Ouais, essayer de vraiment sortir de cette petite zone. Dernier remplacement pour Kenji. Voilà, enfin, c'est exactement ce qu'on disait, ce qui va faire participer tout son groupe à cette victoire avec les rentrées de Warren Farino et de Rob Ticouré. Oh, c'est bien. Et ils vont pouvoir retourner à l'île des Pins, tous satisfaits du devoir accompli. Donc finalement, hein, c'est pour rappeler aussi ces règles des remplacements qui ont changé. Hein, ça vient de la crise Covid. Hein, et finalement, la FIFA et l'IFAB, qui est l'institut qui statue, hein, sur les règlements du jeu, les lois du jeu, ils ont décidé de poursuivre sur cette lancée à l'issue de la crise. Ce qui est une bonne chose.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça joue, c'est ça. Superbement. Super bien côté Cougné, et on renverse le jeu. Et le contrôle. Quelle action qui aurait mérité d'aller au bout. C'est ce genre de, d'animation et de phase où je dis que c'est, ils ont besoin de. Ça, c'est des phases d'entraînement pour eux. On revoit. Appui, soutien, remise, renversement. Et là, ça part, il y a un appel de l'autre côté. C'est en jeu, non ? Là, il n'y a pas d'hors-jeu. S'il est en jeu, je vois par rapport à l'ombre. L'arbitre, lui, là. Mais bon, en tout cas, l'arbitre qui a le soleil en pleine figure n'avait pas signalé. Je peux vous dire que cette action aurait mérité mieux. Ah, non, encore une remise qui aurait pu être enchaînée par une frappe. Là, par contre, tu vois, c'est tout l'inverse de ce qui est bien à faire. Faut frapper, là. Faut tenter, faut se mettre en confiance pour les prochains matchs à aborder. Regarde ça. Festival, dans la surface de réparation, il a du jus. Hein. Notre ami Lorient Wenewua qui fait un sacré match. Ouais, ça va. Ouais, c'est ça, c'est des. La belle phase de jeu qu'a pu faire tout à l'heure Lens Cougné, c'est ce genre de phase qu'il faut qu'ils accentuent, qu'ils le fassent le plus souvent, surtout dans ce genre de match, pour préparer le match à venir. Ils gagnent 3-0, c'est de jouer juste, simple. Et bien joué. Donc on va se diriger vers cette victoire qui sera donc, on le rappelle, la 10e de la saison. Ouais, ça va être, et puis ils sortent. Hein. C'est là, on a, c'est la S-Watch. Pardon, la 5e de la saison. La 5e. C'est Watch maintenant qui se retrouve barragiste. Voilà, provisoirement. Provisoirement, de nouveau barragiste. C'est ça, c'est bien. Ouh, l'attente. Mais ouais. Ouais, on arrive dans les arrêts de jeu. Bouya. Ah, bien joué. Avec ce ballon maintenant vers Wabe Alo. Chercher Tagawa. Et il est encore là, hein. Il va très très vite, vraiment, Wenewua. Ah ouais, il va très vite, hein, il lâche rien, et regardez. Super ballon, et... ah, il aurait pu. Ah, c'était un peu long pour la volée, ouais. Dommage. C'est vrai qu'il va vite, hein. C'est un serve de Lifou, ça. Impressionnant de vitesse, Wenewua, là, sur son côté. La tête qui ne donnera rien. Ballon dans les airs et Mako qui peut reprendre possession de la balle. Petit crochet du capitaine Napoarapoé. Petit relais. C'est qu'ils ont. C'est ça, c'est super bien joué ça. Ah, heureusement. Retour du défenseur, Lens Cougné. Newere qui dégage. Touche. Voilà, en tout cas, Bako s'incline, mais. Kenji Vendégou, ses lunettes de soleil et la casquette. Content de il passe incognito. Mais Bako, oui, aura eu le mérite de rien lâcher. Et c'est vraiment, on l'a signalé hein, sur les matchs qu'on avait commentés de la JS cette année. Notamment, ils avaient pris 4-0 quand même à l'aller hein, contre Cougné, John. On y était. Hein, on y était.
du côté Yoshida, de et j'avais quand même malgré tout continué à continuer. Je veux pas lâcher, ils ont pas toujours pas baissé les bras dans les difficultés. Fair play. Pas de violence ni de méchanceté dans leur jeu, même si ouais, ils pourraient, ils accumulent c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident, c'est difficile et puis après ça énerve parce que bah, l'équipe joue mal ou on est débordé, mais eux ils restent voilà, dans le jeu, c'est le football. Ils sont là pour jouer, s'amuser, prendre du plaisir. Voilà, voilà. Hop, super ballon ça. On passe le jeu. Ouh, les lobés. Oh là là. Ouf, on espère que ça va aller parce qu'il a pris. Il en rigole, mais. Le pauvre. Ça va, ça va. Ils en rigolent, allez. Plus de peur que de mal, mais. On a eu peur, non, parce qu'il a. Et puis il a vu qu'il allait. Ah, c'est la fin. Il a enchaîné son gardien là. Ouais, il va siffler, ça c'est fini. Sans pitié. Et ouais. Voilà, en tout cas, monsieur Reboul, Johnny qui renvoie les acteurs au vestiaire sur cette victoire nette et sans bavure. 3-0. Dédoublé de Gianni Manmieux. Voilà, troisième et. Enfin, un doublé en tout cas de Gianni Manmieux à la 3e et 19e minute. Des deux buts inscrits. Puis Jean-Paul Aoudja sur penalty qui sera venu définitivement. Offrir cette victoire à Cougnier, la JS Baco qui va donc mettre fin à son espoir de jouer en Super League l'an prochain. Ça va être difficile. Bon, l'espoir était maigre, hein, c'était aussi une petite source de motivation, mais surtout. Il était anorexique, surtout l'espoir, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chance. Hein. Mais bon. Ouais, après... c'était. Bon. Déjà plié pratiquement dans les têtes, mais on y croyait malgré tout un tout petit peu. Après, moi je dirais plus plié c'est mathématiquement, je pense. Hein. Après, sinon, dans la tête des joueurs, ils ont envie de jouer, ils ont envie de. Et voilà, on va revoir des moments forts de cette rencontre. Et on a vu notamment ce beau mouvement. C'était en seconde période. Sur lesquels bah, il va falloir continuer de se baser côté JS Baco. Et derrière là le but. Alors que Cougnier aura profité des espaces. Avec, tu le disais, tu l'as souligné, John, ce jeu simple. Ouais, bah, quand ils arrivent à produire un jeu comme ils l'ont fait là, sur certaines phases, ça a tout de suite payé, il y a la mise en danger. Du but de la JS Baco. Et Daniel Tagawa qui aura tout tenté aussi pour essayer d'aller trouver ce petit but. Et puis là, il y aurait peut-être quand même là, un petit péno pour la JS Baco. Ouais. Mais... En tout cas, David Pouya, pour lui, il y avait bien faute, mais M. Reboul n'avait pas bronché. Et Wéré qui tente une belle frappe là et ça revient vers Manmieux. Qui était tout proche du triplé. Dijoux. Alexandre qui aura aussi lui tenté une frappe de loin. Voilà, dans l'ensemble, on aura vu une équipe de Baco qui n'aura pas tant que ça fermé le jeu, un peu bon gré mal gré. On a vu que Gilles Garcia avait dans sa volonté, c'était d'avoir un bloc assez bas, médian, on va dire, et d'attendre son adversaire. Ouais, c'est ça, c'est un bloc d'attente. Malgré eux, Baco s'est découvert, quoi. Bah, c'est après sur la mobilité, c'est ils bougeaient pas tous en même temps, c'est chacun à leur tour. C'est... Le pénalty. Voilà, ouais, on voit des alignements, notamment de cette ligne après, de 4 défensive. C'est positionnement. Qui aura laissé trop de largesse. Trop aligné, les écarts entre les lignes trop importantes. Donc, Aoudja qui inscrivait là le troisième but sur pénalty. Et on joue aussi cette superbe action. Cette phase là. Qui aurait mérité d'aller au bout parce que vraiment il y avait tout à montrer dans les écoles de foot. Il y avait tout et c'est faux qu'il s'appuie sur ces phases là où c'est intéressant.
Et il en faudrait plus, parce que bah, s'il veut sortir de la zone rouge définitivement, et bah... Ouais, il faudra se baser en tout cas sur ces phases de jeu offensives intéressantes et ce quatuor aussi qui aura régalé hein, sur cette rencontre. Côté de Cougné, 3-0, la SK, donc je le disais, repart l'île des pins avec le sentiment du travail accompli, John. Bah, et puis du devoir fait, accompli, comme tu dis, parce que bah, c'est 4 points pris, c'est ce qu'il leur fallait. Maintenant, ils sont sortis de la zone rouge, mais c'est Wedge temporairement qui sont barragistes. Donc, eux, ils ont fait le travail. Maintenant, il va falloir bonifier ce qu'ils viennent de faire le prochain match de la prochaine journée. Et bah, le match d'après, contre Dumbéa. 17e journée. En attendant, tout à l'heure, Wedge sera justement en action face à l'AS Mondor. On se retrouve après une petite pause. Hein, puis la suite de cette 16e journée, c'est aux environs de 17h23. On reprend l'antenne et coup d'envoi 17h30. Wedge Mondor, restez bien sur les antennes de Pacific Plus et sur le web FCF TV Web. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure.